D'un cargo qui se brise en deux à cause d'une tempête à un ferry qui s'écrase contre une jetée, voici quelques accidents de navire filmés par la caméra. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Mieux vaut garder votre sang-froid en regardant la vidéo que je vais vous montrer maintenant. Ces trois hommes étaient en train de pêcher tranquillement dans le fleuve Columbia aux États-Unis. Ils avaient pris leur bateau pour venir passer un bon moment et prendre quelques beaux poissons. Pendant qu'ils étaient sur leur embarcation, ils ont vu un yacht foncer sur eux à toute vitesse. Les trois hommes ont crié et ont tenté d'attirer l'attention du pilote en lui faisant de grands signes de la main, mais en vain. Ne sachant plus quoi faire, ils ont fini par sauter tous les trois dans l'eau. Plouf! En faisant cela, ils ont sauvé leur peau, mais cela a tout de même eu raison de leur état psychique, car bien qu'ils s'en soient sortis vivants, les trois hommes étaient choqués par ce qui venait de se passer. Après cet accident, ils ont décidé de porter plainte contre le pilote du yacht qui a affirmé qu'il n'avait pas vu le petit bateau de pêche car il conduisait assis. Eh bien, ces hommes ont vécu une expérience inimaginable. Non seulement leur embarcation a été sérieusement endommagée, mais depuis cet accident, ils n'ont pas pu reprendre la mer pendant un bon moment. Les personnes que vous voyez se trouvaient à Saint-Martin, une île des Caraïbes, où ils étaient venus profiter de leurs vacances. Mais pendant qu'ils se trouvaient sur un pont de la Simpson Bay, un grand yacht de luxe, l'Ecstasy, a surgi de nulle part et s'est écrasé sur le pont en frappant le poste de contrôle. Ouch! Certains des touristes, fascinés par la scène qui se déroulait devant leurs yeux, n'ont pas pu se retenir et ont sorti leur téléphone pour filmer ces images incroyables et en garder un souvenir. Un souvenir pas si agréable pour eux, car l'accident a provoqué quelques dégâts, notamment au niveau de ce yacht qui appartient au milliardaire pakistanais Alsher Fiaz. Ils ont quand même ressenti un grand soulagement car aucune victime n'était à déplorer. Plus de peur que de mal. Il n'empêche que l'accident de l'Ecstasy restera à jamais gravé dans leur mémoire. Mettre un bateau à la mer n'est guère une chose facile, c'est même très risqué parfois. Regardez et vous comprendrez pourquoi. Sur cette vidéo, on peut clairement voir des personnes en train de tirer ce bateau flambant neuf afin de le mettre à la mer. Mais ces personnes-là ont trouvé cette tâche bien difficile et ont dû faire face à un problème de taille. Un bateau, c'est quand même lourd. Mais qu'à cela ne tienne, en tirant bien, ces derniers ont réussi à faire glisser le bateau sur le pont. Mais regardez, en tirant fort, un peu trop même, le bateau a fini dans les eaux en s'écrasant. Bon, on peut facilement imaginer les nombreux dégâts à la suite de cet accident. Les héros de cette histoire ont dû se précipiter pour sauver ce qui était encore possible de sauver. Je suis à peu près certain qu'ils ont perdu leur travail le jour même. Le pilote de ce petit bateau était de retour vers la plage après une virée en mer. Il s'apprêtait à accoster quand une vague a fait chavirer son bateau. Pas de panique, il s'est armé de tout son courage en espérant pouvoir faire accoster le bateau au plus vite. L'instant d'après, on pourrait dire que la chance lui a souri quand une nouvelle vague a poussé le bateau. Oui, mais ce n'était pas sans conséquence, car le bateau a fini sa course contre le phare. Regardez. À cause du courant, la petite embarcation a heurté l'immense tour avant d'échouer sur les rochers. Le pilote s'en est sorti indemne fort heureusement et l'on peut clairement voir que ni lui ni le passager qui l'accompagnait n'ont subi de blessures. Si ce n'est un peu de vertige à cause de l'embarcation qui chancelait au rythme des vagues. Ouf, cet homme a vécu une expérience incroyable et effrayante à la fois. À mon avis, il a dû en faire des cauchemars. Il y a quelques temps, les vacances des croisiéristes qui se trouvaient à bord de ces deux bateaux ont failli tourner au drame. Ces personnes étaient en train de savourer pleinement leur journée. Ils avaient embarqué à bord de ces deux paquebots espérant passer des vacances de rêve. Tout se serait bien passé si les deux navires n'étaient pas entrés en collision dans ce port de l'île mexicaine de Cozumel. Regardez. Paniqués mais surtout curieux de voir ce qui venait de se passer, les passagers n'ont pu constater les dégâts qu'une fois à terre. Et là c'est le choc. Ils ont été tout de même soulagés d'apprendre qu'aucune victime n'était à déplorer, hormis quelques blessés légers qui ont été examinés à bord de l'un des bateaux. Mais il faut bien admettre que cet accident a quelque peu entaché leurs belles vacances. Maintenant, gardez votre regard fixé sur ce bateau russe qui se dirige vers ce pont à Busan, en Corée du Sud. Non mais qu'est-ce qu'il est arrivé au capitaine de ce bateau? Eh bien cet homme était à bord du cargo lorsqu'il a été pris par l'envie soudaine de boire. Un petit verre et le voilà ivre. Le capitaine serait apparemment resté à la barre et aurait donc continué à faire naviguer le bateau comme si de rien n'était. Cependant les conséquences de son état ne se sont pas fait attendre, car une fois arrivé au niveau de ce pont, il l'a percuté tout simplement. Imaginez donc combien de dégâts ont été provoqués à cause de ce petit verre de trop. Le bateau a été endommagé à l'avant avec l'effondrement d'une tour et le pont troué. Ceci sans parler du trafic routier qui a dû être ralenti. Devant cette situation, le capitaine a tout simplement fait demi-tour et rebroussé chemin, avant d'être arrêté par les gardes-côtes qui ont alors mené leur enquête et confirmé qu'il était ivre. Après cet incident, le capitaine est devenu au cœur de l'une des histoires les plus insolites de la marine de ce siècle. Parfois, les tempêtes peuvent être à l'origine de naufrages spectaculaires. C'est ce qui est arrivé à ce bateau espagnol en 2014. La personne qui a filmé la scène se trouvait à quelques centaines de mètres du cargo Luno qui était immobilisé près d'une digue dans la commune française d'Anglet.
La personne, curieuse, voulait sûrement voir ce qui allait advenir de ce bateau, malmené par les vagues hautes qui frappaient la côte atlantique à cause de la tempête Petra. Mais elle ne s'attendait pas à ce que ce bateau se brise en deux. Pourtant, elle a continué à filmer cette scène incroyable et surréaliste jusqu'au moment où les deux parties du bateau se sont complètement séparées l'une de l'autre. Quel choc en voyant les dégâts! Elle a dû être rassurée de savoir qu'aucune victime n'était à déplorer à la suite de cet accident, car en effet, les membres de l'équipage du bateau ainsi que le pilote qui se trouvait à bord avaient été sauvés à temps par l'hélicoptère. Tout compte fait, cette expérience inoubliable lui aura probablement enlevé toute envie de mettre un jour les pieds sur un bateau. Quand la nature n'est pour rien dans un accident de bateau, la faute revient parfois aux pannes qui peuvent survenir à n'importe quel moment et causer d'importants dégâts. Regardez par exemple ce qui va arriver au Cyprus Cement. Le capitaine de cet énorme cargo chargé de ciment qui se trouve dans ce petit port de plaisance à Levanger en Norvège tente de sortir le bateau du port. Contre toute attente, une hélice de proue tombe en panne. Aïe aïe aïe. Le capitaine fait alors tout son possible pour manœuvrer son bateau. Il réussit à le faire avancer, mais cette manœuvre lui fait perdre le contrôle de sa trajectoire et le cargo se retrouve enfoncé dans le petit port. Résultat, le quai de la marina ainsi que plusieurs bateaux de plaisance qui étaient amarrés là sont détruits par l'immense navire et trois embarcations finissent par couler. Devant cette situation incontrôlable, le capitaine se sent incapable de faire quoi que ce soit et ne peut que constater les dégâts causés par son bateau d'un œil désolé. Voilà une expérience qui a marqué sa carrière à jamais. Vous aimez cette vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Regardez de près la photo de ce bateau. Vous êtes installé devant votre écran? Parfait. Vous analysez alors à votre aise cette photo et vous cherchez ce qui rend si impressionnante cette image tirée d'un film. Mais non, justement, il ne s'agit pas d'une photo de film, mais d'une image bel et bien réelle. Comment? Oui, vous avez bien entendu, l'image du Shinyo Sawako attaché à un remorqueur au large du Vietnam vous marquera à tel point que vous vous mettrez à chercher quelques informations sur ce bateau. Si vous cherchez bien, vous pourrez en apprendre un peu plus sur ce navire immatriculé à Hong Kong et vous découvrirez aussi que quelques mois après l'incident à l'origine de cette image, ce grand navire a été impliqué dans un nouvel accident après être entré en collision avec un bateau de pêche chinois. Vous refermez votre écran et vous réfléchissez tranquillement à tout ceci. Finalement, l'histoire du Shinyo Sawako vous aura bien donné envie de regarder l'un de ces nombreux films qui parlent d'accidents de bateau. Mais qu'est-il arrivé à ce bateau? Ce grand navire arrivait au port d'Aliaga en Turquie afin d'y être démonté. Une arrivée assez bruyante et rapide car il ne ralentit pas d'un nœud. Sur la vidéo, on peut très bien voir qu'il continue à approcher rapidement vers le quai, à coups de sirène, pour attirer l'attention de tous ceux qui étaient là. Enfin, le voilà qui accoste, mais son arrivée spectaculaire cause bien des dégâts, regardez. À cause de sa hâte, ce bateau a fini par heurter deux embarcations qui se trouvaient déjà là, et il a même provoqué un petit raz-de-marée. Heureusement, sa course folle a pris fin au niveau du quai. Eh ben, ce ferry fou était arrivé à ce port afin d'y être démonté, mais je suis presque certain qu'il a fini par se briser quelque part à la suite de cet accident. Regardez ce qui va arriver à ces personnes à bord de leur bateau. Ces jeunes gens étaient sur un hors-bord et s'apprêtaient à faire un dernier tour en mer. Allez, une dernière balade pour terminer en beauté cette journée. Tout semblait normal au début, mais la vitesse du bateau a commencé à augmenter petit à petit. Pour ne pas tomber, les passagers se sont accrochés fermement au bateau et regardez-les, la vitesse du bateau n'a fait qu'augmenter leur excitation. Une balade rapide, ce n'est pas mal du tout, mais cette sensation a tout d'un coup viré à la panique. À cause de sa grande vitesse, le bateau a perdu son équilibre à l'approche d'une vague. Le pilote a perdu le contrôle et patatras. Tout le monde s'est retrouvé projeté du bateau et certains ont même été sérieusement blessés. Fort heureusement, ils ont pu être secourus. 5 d'entre eux ont été emmenés à l'hôpital. Eh bien, on peut être sûr que pour ces passagers, les balades en mer à grande vitesse, c'est fini. Ah, les îles Galapagos. Avec leur sable blanc et leurs eaux turquoises, l'archipel a de quoi faire rêver les amoureux de la mer. Mais savez-vous que cet archipel paradisiaque situé dans l'océan Pacifique au large de l'équateur a évité de justesse une véritable catastrophe environnementale lorsqu'un bateau chargé de 2300 litres de diesel a coulé dans un port? Cela s'est passé en décembre 2019 à l'île de San Cristobal. Lors du chargement d'un conteneur, une grue est tombée sur la barge. Cette dernière a chaviré avant de couler, avec à son bord 600 gallons de carburant diesel. Résultat, 2300 litres de diesel se sont déversés dans la mer, formant ainsi une nappe que les autorités équatoriennes se sont empressées de contrôler afin de réduire au maximum les risques environnementaux. Autorités et ONG se sont retroussés les manches pour mettre des barrières de contention ainsi que des chiffons absorbants afin de récupérer tout ce diesel et épargner cet archipel à l'écosystème fragile. Les Galapagos auraient pu être menacés par une marée noire, mais fort heureusement, l'accident n'est plus qu'un lointain souvenir. Et nous terminons avec cet accident de bateau spectaculaire qui a eu lieu en 2017 à Saint-Domingue, en République dominicaine. À peu près un mois après être parti de Grèce, le Kaiden s'apprêtait à rejoindre la République dominicaine. Une fois arrivé à Saint-Domingue, il s'est retrouvé confronté à un fort courant au niveau du port. Le bateau a pourtant fait fi de ses conditions particulières, il a réussi à accoster, mais à cause de cette manœuvre, il a fini sur le quai. Et oui, le courant était plus fort.
Résultat, des dégâts matériels importants, tant sur le bateau que sur le port. Il n'y a qu'à voir l'état de la jetée pour en juger. Le ferry a pu quand même reprendre son service quelques semaines plus tard, après quelques réparations. Eh bien, on peut dire qu'après cet accident, le Kaidon n'était pas beau à voir. C'était 12 accidents de bateaux immortalisés par vidéo. Lesquels vous ont le plus choqué? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.